Bonjour et bienvenue sur la deuxième émission de Station 70. La première a eu un succès fou, plus de 17 000 vues en moins de 3 jours, on est vraiment très fiers. Aujourd'hui, on va vous parler du jouet ancien. D'où vient le jouet ? Le jouet, il a plus de 3000 ans avant Jésus-Christ, dans certaines sépultures, on retrouve des jouets d'enfants. Alors c'était fait de briques et de brocs, de bouts de bois, de pâte à modeler, avec des argiles, avec des céramiques. Là, on va parler maintenant des jouets à partir de la révolution industrielle, c'est-à-dire à partir de 1800, quand est née les nouvelles manufactures. Bien entendu, à partir de 1800 jusqu'à maintenant, les guerres ont vraiment façonné le jouet. D'ailleurs, n'importe quelle miniature, même de ma génération des années 60-70, on appelait ça des soldats, parce que c'était vraiment l'expression des faits de guerre qu'il y a eu dans ces époques-là. Les jouets les plus anciens, c'est par exemple celui-ci que vous pouvez trouver à Station 70. C'est un papier mâché, c'est-à-dire qu'on est papier de récupération, qu'on mouille, qu'on met dans des moules, qu'on laisse sécher à l'air libre, on a une forme et après c'est peint à la main. Ça date de 1860. Quand on est collectionneur, il y a 40 ans, on n'a pas Internet, on n'a pas de bouquins, on n'a rien qui nous sert de référence. Qu'est-ce qui nous servait de référence sur l'achat des jouets ? Tout simplement, le jouet lui-même, c'est lui qui nous indiquait tout. Avant la création de la SNCF en 1948, c'était des compagnies privées. Et donc, on ne savait que c'était avant 1948 les jets. Alors, je dis forcément aujourd'hui, avec Internet, on sait tout sur tout et les années. N'oublions pas aussi que ce genre de jouet, ça durait plus de 20 ans sur les certains catalogues. Alors celui-ci est tout à fait particulier, parce qu'on a le avant, la guerre, on a celui-ci qui n'a aucune décoration, tout simplement parce que la personne qui s'occupait de la décoration était en travail obligatoire en Allemagne. Et après, quand il est revenu, eh bien tant mieux pour lui, là on a ce wagon-là, SNCF. C'est ce qui nous permettait, nous, de choisir un ancien ou un moins ancien jouet. N'oubliez pas, on n'avait strictement aucune référence, aucun bouquin dans le domaine. L'automobile, qui est arrivée depuis la naissance 1800, on représentait de très vieux tacos. Et là, aujourd'hui, on a eu des marques absolument splendides, des marques françaises, comme Norev, qui étaient des petites matières plastiques. Et bien entendu, le Dinky Toy. Le Dinky Toy, c'était un jouet anglais à la base, sous licence française. C'était fabriqué à Bobigny. Petite voiture en fer blanc moulée. On ne peut pas traverser le XXe siècle sans penser à un moment donné aux jouets guerriers. Ça, c'est une représentation du char Renault de 14-18, mais il était aussi au début de 1945. L'ensemble de ces conflits ont amené des créateurs à avoir du jouet et uniquement du jouet guerrier. C'était quasiment patriotique d'avoir des jouets qui représentaient les soldats qui sont morts au champ d'honneur. Ça, c'est un petit jouet Britens en plomb. Parce qu'aussi on va parler des matières, qui était en plus une particulière, c'est qu'il était articulé. Ce qui est très rare pour des soldats en plomb. Pour les matières elles-mêmes, c'était en fonction de la situation économique. Quand on était dans des périodes fastes, on avait du plomb et des matières nobles. Et quand on était dans des périodes juste après-guerre, on avait des aluminiums. Alors il y a eu un monsieur qui, à la Seconde Guerre mondiale, mais on en reparlera sur l'émission du 4 juin, puisqu'on va faire un spécial débarquement avec la présentation de la Jeep. Là, c'est un petit objet très rare. C'est le Général de Gaulle, fait par Aludo, qui est une petite marque de jouets, et ils avaient fait la représentation du Général de Gaulle. À partir de 1910, il y avait aussi ce côté fondamentalement éducatif. Là, on a une petite usine, 1910, avec un petit transformateur et un moteur en 110, et un ensemble d'outils qui sont des scies circulaires, qui sont des meuleuses, qui sont des perceuses. Alors là, il n'y avait aucune norme. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un paquet de gamins qui ont perdu un bout de doigt, qui ont perdu un bout de quelque chose. Parce que là, la lame, elle fonctionne, elle est opérationnelle, la meuleuse est opérationnelle et la perceuse aussi. Ça, c'est 1910, c'est le jouet technique de Paris. Et les enfants, comme le jeu est toujours quelque chose d'éducatif, ça permettait aux enfants de voir comment ça fonctionnait. Surtout comment fonctionnaient les urgences de l'époque. Mais bien sûr, il y a d'autres choses qui ont inspiré bien sûr, les créateurs de jouets. Par exemple,
la voiture de course. Une magnifique Joustra qui veut tout simplement dire jouet de Strasbourg, Joustra. Alors ça, je pense que pour les petits garçons, c'était un grand, grand moment. C'est d'avoir la représentation de leur idole, quand il y a eu les représentations au niveau télévision, d'avoir la voiture de leur idole. Bien entendu, on ne peut pas parler, vraiment pas, de petits garçons sans le petit garage avec ses petites voitures. Deux marques se sont partagées le marché, la marque Dejoux et la marque Jouet Bois, il y a aussi qu'ils ont fait aussi, et surtout Starlux, qui était une petite entreprise qui était à Périgueux. Le garage, la pompe à essence et les petites voitures. Je pense que ça a dû faire rêver, bah déjà moi, mais en tous les cas, tous les enfants de cette époque-là. Le bois. Le bois, c'est extraordinaire. Le bois, c'est par exemple cette marque Dejoux. Comment ça fonctionnait la société Dejoux ? En plaine, on découpait l'ensemble des parties à monter sur ce, par exemple, sur ce véhicule. C'était monté dans les alpages. Et les gars qui étaient là avec leurs deux vaches à faire deux fromages au fond, gagnaient quelques centimes par véhicule. Donc ils montaient ça pendant l'hiver et c'était redescendu en plaine pour pouvoir être vendu. N'oublions pas que ça, c'est des jouets qui ont duré 15-20 ans. Ce petite locomotive, c'est une bébé. Alors ce jouet, il est absolument magnifique. Le gamin, ça, c'était ici, pousser avec ses pieds et tourner le pantographe. Et donc, on a des roues directionnelles. Alors ça fait 3 ou 4 kilos parce que c'est très lourd, c'est en bois. Je pense que quand le petit avait fait le tour de la cour, il avait des mollets comme ça et il avait bousillé ses chaussures. Ce qui a perdu ce genre de jouet, c'est l'arrivée du plastique. Le plastique, c'est fantastique, ça c'est dans la chanson, mais ceci dit, bien sûr, ça a été abordable pour tout le monde, mais on perdait une vraie et authentique qualité de jouet. La grande révolution, qui est la révolution des années 50, 60, 70, c'était qu'on faisait avec des matières moins nobles, on faisait des jouets en très grande série, ce qui diminuait complètement le coût. Ce genre de train, dans sa boîte complète, ça équivalait grosso modo à un mois de salaire d'un ouvrier. Moralité, il y avait que les gens qui étaient aisés, qui pouvaient se payer des jouets, payer des jouets à leurs enfants. L'arrivée de ces matières un peu moins nobles, le plastique et autres, ont fait que dès les années 60-70, le jouet s'est totalement démocratisé. On a aussi quelque chose qui est vraiment exceptionnel, c'est ce genre de jouet. Années 60, Made in China. À l'époque, on n'a toujours aucune norme de protection des enfants pour les jouets. C'est-à-dire que c'est mal foutu, c'est moche, c'est mal foutu, c'est mal épuré. Et là aussi, les gamins, en plaçant leurs doigts à l'intérieur, se sont coupés les doigts, c'est parti à la poubelle. Tous les parents ont foutu ce genre de jouets qu'ils ont acheté peu cher et tout est parti à la poubelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce sont des denrées très rares parce que c'est vraiment, ils n'ont pas eu un grand avenir dans les familles. Le circuit 24, où on met deux petites voitures, on a deux petites manettes qu'on met en route avec le pouce. Ça, c'est le tout premier, ça date de 1930. Le système est simple, on a en dessous une languette qui permet de toucher le circuit, c'est la partie plus, et le pare-choc qui touche la partie moins, c'était grosso modo la glissière. C'est une voiture qui est en fond de coulée, qui fait près d'un kilo. Mais c'était absolument étonnant, puisque quand ça tourne, ça fait des étincelles, c'est absolument démentiel. On ne peut pas parler du jouet ancien sans parler du train. Jouef, alors bien sûr, il y a des marques beaucoup plus prestigieuses, comme Marklin ou autres. Jouef, petite entreprise à Champagnole dans le 39. Mettez-vous dans le contexte. À l'époque, on voyageait en train. On allait en vacances en train, c'était pas un objet de consommation rapide, c'était une fois par an, c'était une épopée, c'est ça qui était extraordinaire. Aujourd'hui, on va dans le monde entier, en moins de 5 minutes, enfin c'est un truc de fou. Il y a le TGV, mon Dieu, quand on prenait son casse-croûte, qu'on descendait sur la Côte d'Azur, on mettait 7-8 heures pour faire un Paris-Marseille, dans des locomotives un peu poussives, avec des vitesses maximum de 120 km/h, et des arrêts toutes les 5 minutes. Ça, c'était aussi l'appel du voyage. Ça, il y a une vraie nostalgie des utilisateurs du train. La SNCF, cette entreprise, a fait des émules absolument dans le monde entier, puisque nos trains français sont collectionnés dans le monde entier. Si on le regarde bien,
Nos locomotives, en plus, ont un visage, elles ont une personnalité. Et ça, je pense que ça touche absolument tous les amoureux du train. Un jouet absolument magnifique, parce que c'est un vélo. On a le pédalier ici. Alors, ça valait 4 ou 5 fois plus cher qu'un vélo. C'était 4 ou 5 fois plus lourd qu'un vélo. Et on se cassait la figure 4 ou 5 fois plus. Tout simplement parce que c'était lourd. Et un enfant qui apprend à faire du vélo, il a besoin de grandes roues. Donc, au niveau de l'équilibre, c'est comme le Vespa, le vrai Vespa. Bon, voilà, c'est une tenue de route un peu particulière. Donc, c'est rare de les trouver, celui-ci a été restauré. C'est rare de les trouver en bon état. Sinon, toutes les chutes se voient toujours aux extrémités de l'outil. Est-ce qu'on retrouve notre enfance quand on est collectionneur de jouets ? Alors moi, ma philosophie, et la philosophie de ce que vous allez trouver à Station 70, c'est l'état de jeu. C'est-à-dire, je suis un passeur, donc là, l'enfant a joué avec, c'est parti sur une brocante, je l'ai récupéré et je le passe. D'autres collectionneurs souhaitent cette petite voiture en état neuf dans sa boîte. J'ai bien peur que dans certains cas, puisqu'il y a une cote qui est donnée, ça fasse partie plutôt de la spéculation que justement de l'amour de la voiture. Ce qui est intéressant, c'est un rappel à nos souvenirs. C'est ça qui est important. Les collectionneurs, ce sont tous des nostalgiques et qui ont besoin de retrouver, peut-être qu'en miniature, la voiture du papa, la voiture de leur enfance. Ça me paraît assez évident. Rendez-vous le 4 juin sur TV. On va vous parler d'une voiture mythique, la Jeep, celle qui a participé au débarquement.